Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo Phasmophobia. Et aujourd'hui, quelle vidéo, puisqu'on va faire un défi à la con, un défi qu'on aime évidemment, tu sais qu'on aime ça, le chat est chaud, le beat est bon. Un défi par rapport à Halloween. Déjà le trophée, si tu l'avais pas vu, le trophée d'Halloween, il est magnifique. C'est ce trophée là que tu débloques quand tu as toutes les maps d'Halloween faites en cauchemar avec les bonbons. Les bonbons, c'est bon, on s'est dit qu'on allait tenter un petit défi bizarre. On va faire des games en cauchemar. Je sais pas si tu le sais, mais quand tu vas sur une map avec ce petit sticker là de citrouille en cauchemar. Et non, ça marche en multi aussi, d'ailleurs j'allais dire en solo, mais non. Il y a des bonbons qui sont cachés dans la map, et en fait ces bonbons te redonnent 5% de santé mentale. Et je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas de faire une game en cauchemar à 0% de santé mentale, et le seul moyen de se remettre de la santé mentale, c'est de trouver des bonbons. Voilà, on a décidé qu'on allait faire ça. C'est drôle, on va faire ça sur Netchfield. On va voir ce qui va se passer. Je l'ai déjà dit, mais je leur dis, le chat est chaud, le beat est bon, on est parti. Let's go baby, à la recherche des bonbons magiques. Ça va être ça le titre de la vidéo, c'est pas mal. À la recherche des bonbons magiques. Hop, hop. Le fantôme s'appelle Ellen Thompson. Ellen Thompson, nettoyez la zone près de l'entité avec bâton d'encens, photo et apparition. Ok. Alors, première chose à faire, comme on n'est pas en custom, et oui, je sais que maintenant on peut se mettre en custom, mesdames et messieurs, pour se mettre la santé mentale à zéro, mais le problème c'est qu'en cauchemar, les bonbons sont dispo qu'en cauchemar. Et oui! Bra 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 bra. Merci beaucoup, Istar, pour les 5 subs offerts, tu régales. Tu régales. À ce niveau-là, c'est à la recherche des caries, ouais. De base, c'est une game voyelle, pas du tout. Gaël a voté pour les bonbons. Donc là, on cherche juste l'objet maudit. Le tarot... Oh putain, c'est le tarot. Le problème du tarot, c'est pour se mettre à 0% de santé mentale, c'est compliqué. On va se prendre une cachette. On va se prendre une cachette. On n'a pas la cachette là. On va quand même s'en servir, c'est un peu mieux que de rester dans le noir à attendre. Mais bon, il faut qu'on ait une cachette, quoi. Ok, on n'a pas la cachette ici non plus. Ça commence bien. There's always a, yeah, always a curse item. Except in custom difficulty. Ok, j'ai rien ici. J'ai rien ici. Bah dis donc. Merci beaucoup, base défaut, pour le sub offert. Ok, j'en ai un ici. J'en ai un ici, mesdames et messieurs. On est parti. Est-ce qu'on va mourir? La réponse tout de suite. Ok, donc je sais pas où est le fantôme. Hein. Moi je veux juste descendre à 0% de santé mentale. Hop. On rouvre la porte. On attend qu'il se barre un peu parce que sinon il va m'attaquer direct. Oh putain, plus 25 de santé mentale. Moins 25. La haute prêtresse, je prends. Let's go. Plus 25. Ah, super. The Sun. Ah ouais, non, mais bien, bien. Plus 25. Ah ouais, on est bien, là. Et The Tower. Eh ben, écoute, mesdames et messieurs, voilà, des bisous. Le tarot Kali. Eh ben, du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme on s'est fait... comme on s'est fait baiser par le tarot... Eh ben on va faire une game, la, voilà, on va faire la game des voyelles. Voilà, si tu connais pas la game des voyelles, c'est très simple. C'est, on prend chaque voyelle dans le nom et le prénom du fantôme, et c'est le nombre d'objets qu'on a d'autorisé pour la game. Ok, donc là, Ellen Thompson, j'ai droit à 1, 2, 3, 4. J'ai droit à 4 objets. Vas-y, Tutis, tire-moi des objets. C'est les seuls objets auxquels j'ai le droit. Voilà, c'est un défi qu'on aime bien. Voilà, on va faire les deux. On va faire les deux. On va faire un 0% de santé mentale. Game voyelle. Donc j'ai le droit au trépied, merci, merci à tous, à la spirit box, au thermomètre, et merci OP pour ton prime, merci énormément, merci encore Istar pour les 5 subs et Balzefo pour le sub offert, et à l'encens, nice, ok, ok, ça va être technique, ça va être technique, évidemment le briquet vient, alors le trépied, évidemment indispensable game blog, et on va prendre ça. Super, super, super. Voilà, on va le mettre là. Très bien. Merci beaucoup OP pour le prime. Bienvenue chez les gueux, ça fait plaisir. On va remettre le courant.
Oui, j'ai le droit à plusieurs fois le même thème, bien sûr. Je suis safe? Oui, j'ai le trépied, donc je suis safe, de toute façon. T'as pas compris le rite avec trépied? C'est pas grave. Lui, il a compris. C'est le principal. Alors. 8 degrés à la cave, mais c'est le temps que ça remonte, je pense. En fait, le trépied, c'est un safe spot. Il vient d'ouvrir une porte. Par contre, quelle porte, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est celle de la cave ou celle du garage. Info chat. Putain, tu m'as fait peur. Ok, on va fermer toutes les portes. Ah, j'ai pas d'appareil photo. Mais l'appareil photo, je crois qu'on l'autorise de base, non? Je crois que c'est lampe torche appareil photo de base, non? On avait fait ça la dernière fois. Il me semble. Ok, on va fermer toutes les portes. Hop, là, j'ai ma cachette ici, ok. Ouais, c'est ça? Ok. Bon, j'ai le droit à l'appareil photo quand même. Non, mais en photo surprise. Non, mais j'ai un thermomètre. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un thermos? Bon, ok. Vous voulez qu'on tryhard? Je voulais pas tryhard YouTube, mais le chat veut tryhard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, il a l'air d'être dans le couloir. Là, il vient de faire tomber un truc ici, là. Salle de bain, non? Pas du tout. En plus, on est en cauchemar, ça va être fun. J'ai vraiment du mal à voir d'où, à entendre d'où le son vient des fois. Bon, il a l'air d'être par là. Ok, il a l'air d'être couloir quoi. Regardez, j'ai 7. Ok, on va tenter la spirit, on va prier pour qu'il y en ait une. Ça va être long à 100% de santé mentale. Comment ça, ça va être long? Non, mais je fais la game, hein. Je vais pas attendre de descendre à zéro, hein. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Et là, j'avais-vous? Où êtes-vous? J'ai peur. Oh, il a fait tomber! Où êtes-vous? Oh, je savais pas qu'il pouvait bouger les bonbons. Where are you? Et là, j'avais-vous? Où êtes-vous? J'ai peur. Wesh, t'es où? Ok. Je savais pas qu'il pouvait bouger les bonbons, chat. Alors là. 15. Il vient de taper à la vitre. 14. Attends. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? J'ai peur. Donnez-nous un signe. Wesh, t'es où? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok. Ok, il n'y a pas de spirit. Il a l'air d'être cuisine, mais c'est bizarre. La température est bizarre. Ou alors il est dans la petite pièce là. Ah, il est là. Ah, il est là. Ok. Ok, il est là. On va retester une dernière fois. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Ok, il n'y a pas de spirit, pas de glacial. On va mettre le trépied. Ah, I know. Ouais, j'étais où le sang? Non, moi je parle pas comme ça, moi. Je parle français. Comment tu vas, Léo? Tu vas bien? Salut, Solo Wing. Salut, Clochette. Ouais, j'ai vu le 08. C'est juste que des fois, au début, il se balade un petit peu. Attendez, il me reste. Spirit, trépied. Ah mais attendez, j'ai pas d'autre objet là. Ok. Ça va être compliqué. Bah non, l'appareil photo, vous avez dit non. Roberto, c'est aléatoire, c'est pas moi qui choisis. Hein. Attendez, bah j'ai le droit à l'appareil photo quand même. J'ai rien. Mining. Vas-y, non mais je prends le droit. Non, j'ai pas le droit. Des bisous au Brigella, c'est gentil. Bah, écoutez, on va faire une chasse et on va prier pour que ça soit. Assiette.
Ok. Pas un polter, je pense pas que ce soit un polter. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Comment tu vas, Bolin? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Il est trop dur ce challenge. Il est trop dur. Allez-y, il y a un sondage. Est-ce que j'ai droit à l'appareil photo ou pas? Il vient de cogner à la vitre juste là. Ça va, calme-toi, il va casser la vitre. Ah non, bah non, l'appareil photo est pas dans la liste des objets que tu peux tirer. Ah bah oui, je suis con. Donc forcément, je suis obligé de le prendre. Eh oui, parce qu'il est pas dans la liste. Il est pas dans la liste. Donc merci à tous. De toute façon, vous avez voté à 63%. Ok. Ah bah oui, non, mais il est pas dans la liste, donc j'étais pas prêt de l'avoir. Bien joué, le tium. Alors attends, je vais prendre la photo. Merci à tous. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Quatorze mille sur non pour rien. Ah mais il a remis les points de chaîne. Ah, faut enlever les points de chaîne. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Non bah écoutez, on va s'amuser hein. Ombre et let's go. Ombre et let's go. Attendez, 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 attendez. Je vais attendre qu'il fasse quelque chose. Pour... Là, la porte. Ok. Interaction. Interaction. Pas d'empreinte. Ok. Donc. C'est pas un fantôme. C'est pas un djinn, c'est pas un Nantou, c'est pas un démon. Ok. Bon. Le problème, c'est que là, ça va être compliqué. Il se comporte pas comme un cauchemar. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Il se comporte pas comme un cauchemar. On va faire une chasse. On est obligé de faire une chasse. Il faut que je reste dans le noir, par contre. Donc, on va rester dans le noir, dans la cuisine. On est obligé. Obligé. Ah, si c'est un déogène taillé, ou même Raiju, ou Revenant, Oni... Esprit, mais le reste, c'est mort. On va voir. Hein. On va avec le flow, mesdames et messieurs. Vous connaissez le groupe Irona Shore? Ça me dit quelque chose. Ce groupe me dit quelque chose. Bon, bah voilà, on attend. On attend. C'est quoi? On va attendre. On va attendre ici. Pour voir. Pour voir si c'est un... Pour tester le spectre. Ou la banshee. Il vient de toucher un truc dans la cuisine, je crois. Encore. Encore une fois. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. J'avoue que ça sent l'ombre un petit peu. Pique, comment tu vas? Pas au nid, pas actif dans sa pièce. Je me fierais pas à ça si j'étais toi. Ok, c'est une... C'était un événement. C'était un événement qui était super court d'ailleurs. Ça sent l'ombre, hein. Ça sent vraiment l'ombre. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Le challenge, c'est de réussir une game, mais on n'a pas de matos. On n'a pas de matos. L'événement était timide, ouais. Bah ouais, c'est même sûr, l'ombre à 100%. C'est vrai? Vous avez noté les modos? Ok. Ouais, dès que je pars, ils jettent des trucs. C'est pour ça, tu vois. Événement. Alors, ça s'écrit pas... Ça s'écrit pas comme ça, Lil Bean. Si quelqu'un peut lui écrire comment ça s'écrit événement, s'il vous plaît. Bon, tu vas... Saxree, tu vas bien. Là, il est dans la truc. Donnez-nous un signe. Mais il n'y a pas d'objet, là? Où êtes-vous? En fait, il y a des objets que ici.
Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Mamanovitch, troll pas. Putain, quel connard. C'est une game bonbon voyelle sans preuve avec tentative 0%. Voilà, exactement. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? J'ai limite envie de partir et de mettre ombre, hein, mais j'aimerais bien une chasse, en fait. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre deux objets ici. Merde, j'ai pas... Là. Des bisous. Get fucked. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Non, il n'y a pas la Ouija. On a eu le tarot, mais le tarot nous a trollé. Bon, tu vas Xifio, tu vas bien? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Alors, je vais poser une assiette ici. On va mettre le trépied ici, là. Le trépied va nous aider. Hop. Donc là, j'ai deux objets là. Il y a plein d'objets dans la cuisine. L'ombre, du coup, elle en prend un coup, là. J'avoue que l'ombre, là, elle en prend un coup. Deux événements comme ça d'affilée. Elle en prend un coup, le yokai, je pense pas. L'Oni, c'est possible, mais... Il nous aura attaqué. J'avoue que l'Oni, c'est possible. Mais le truc, c'est qu'il nous aura attaqué, là, l'Oni. Parce que l'Oni vous enlève le double de santé mentale. Donc, on s'est pris quoi? Trois événements. On aurait perdu déjà 60%. 60%, il nous aura attaqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, le taillé est pas déconnant. Parce que le taillé... Oh, c'est un truc de ouf. Non, si ça avait... Vitesse normale. C'est un taillé. Je crois que c'est un taillé. Je crois que c'est un taillé. Je crois que c'est un taillé, faut que je refasse un test. Faut que je refasse un test, mais je crois que c'est un taillé. Il a bougé énormément de trucs, hein. Waouh, il a... Le polter est pas déconnant, mais... Test spirit, mais j'ai déjà fait la spirit. J'ai déjà fait la spirit, pourquoi tu veux que je teste la spirit? Je vais prendre un autre encens. Putain, heureusement que j'ai débloqué l'encens, d'ailleurs. On va lui faire un tas, hein. Tu partirais sur Banshee? Ah, j'avoue qu'il... Oh! J'avoue qu'il a beaucoup chanté, ouais. Là, il a pas chanté. Oh, il est chaud. I think someone lost their cat outside, the shaking food and calling some... Really? Sa pièce, c'est laquelle? Sa pièce, elle est là-bas. Je vais rester dans sa pièce un peu. Je vais faire des allers-retours. Non, mais c'est un truc de ouf, là. C'est un truc de fou, là. Qu'est-ce qui branle? Pourquoi je vais vers lui? C'est pour perdre de la santé mentale, parce qu'il faut que je sois à 0%. C'est le but du défi. Il a foutu le bordel, ouais. Alors, je vous expliquerai après pourquoi je pense que c'est un taillé. Même si certains dans le chat l'ont piffé, je pense. Ça fait beaucoup d'événements. Si c'est une ombre, je me retire définitivement du streaming. Hein. Non, c'est faux, mais...
It's an event. Ah, c'est un taillé, cherche pas, c'est un taillé. C'est un taillé. Un esprit? Attendez, c'est un esprit, il a toujours pas attaqué. Regardez, je suis à 2 minutes 40, il a toujours pas attaqué. Là, il attaque. Ok. Non, c'est pas un taillé. C'est pas un taillé. C'est pas un taillé. C'est pas un taillé. Un taillé. Je pensais qu'il avait pas accéléré tout à l'heure, mais là il a accéléré. Ouais, il accélère, il accélère. Ah, Loni, j'ai même pas fait gaffe. Loni, j'ai même pas fait gaffe. Non, il a pas accéléré dans le noir, Xifio. Il y a aucun fantôme qui accélère dans le noir. Ou alors dans la lumière. Ok. J'avoue que le polter, c'est pas déconnant non plus, tu vois. Regarde. Tu vois le délire? J'avoue que c'est pas déconnant. Je le garde dans le coin, dans un coin de la tête. L'entou. Ah non, l'entou ça a rien à voir avec le noir, c'est la température et l'entou on aurait eu la glaciale. Et on a le thermomètre. Donc. Moi je pifferais pour l'instant un esprit, mais. Faut voir. Faut voir. On va retourner dans la baraque, on va voir s'il va attaquer. La banshee en fait il me suit pas. On va voir. Je partirai sur un esprit pour l'instant. Le timer de l'encens, c'est dès que tu claques l'encens. C'est pas à la fin de la chasse. C'est quand tu claques l'encens que les 3 minutes commencent. C'est pas à la fin de la chasse. Laurent, ouais, l'entou aurait coupé le courant, c'est vrai. Là, il ouvre une porte encore. Toujours pas en chasse. Tu vois, il vient pas vers moi une seule fois. Donc pour moi, c'est pas un spectre, pas banshee. La banshee, elle a tendance à te suivre un peu. Putain. Et ça fait deux fois. Ça fait deux fois qu'il explose des ampoules. Hein. Regardez, il attaque pas. Il attaque pas. Il attaque pas. Je pense que c'est un esprit. Je pense que c'est un esprit. Il sait plus quoi faire comme événement, ouais. Moi, je pifferais esprit. Pour l'instant. Ça sent bon l'esprit, chat. You interact a lot with your... Ouais, exactly. So that's why I think about a spirit. The spirit cannot attack within 3 minutes. Ouais. Je pars sur un petit... Je pars sur un petit esprit, chat. Donc normalement, il devra attaquer dans 30 secondes. On va quand même attendre la fin. Du-du-du-du. Pourquoi tu lui rentres dedans quand il attaque? C'est pour baisser ma santé mentale, du coup. Oh. Pourquoi il a fait clignoter cette lampe, là? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ou alors c'est le tonnerre, je me suis fait trigger. Il attaque toujours pas. Bizarre, quand même. Hein. Là, il attaque. Ah, cherche pas, regarde, ça fait deux fois qu'il attaque après 3 minutes. Moi je pars sur un esprit. Arino, comment tu vas? Je pars sur un esprit. On l'a fini Venom Scorn. On l'a fini aujourd'hui d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, chat? Moi je pars sur esprit, je changerai pas d'avis, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il
ils ont changé certaines caractéristiques sur les fantômes. Alors, ça dépend depuis quand. Depuis la mise à jour Apocalypse, oui, sur certains fantômes. Mais si tu parles de depuis une semaine, non, ils ont rien changé. Spirit is a good call, I think. Yeah, I think so too. I think so too. 0%, je suis clairement à 0, chat. Ouais. Moi, je pars sur esprit. Je vais même pas le cocher. Je vais même pas le cocher. Je pars sur esprit. Et puis, si c'est pas ça, on s'est fait mind game. Deux fois après 3 minutes, petit esprit, mesdames et messieurs! Wouh! Dégagez-le! Wouh! Ah, ça fait plaisir, ça. En plus, on a fait tous les objectifs. Oh putain, il nous manquait juste l'os, on avait la game 100%. Oh non, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe, mesdames et messieurs. Let's go, baby! La première game est validée. Bon, elle est demi-validée, parce qu'en vrai, on n'a pas fait, on n'a pas trop fait l'objectif de la game à 0% de santé mentale. Mais on va enchaîner. Elle était compliquée, celle-là. Heureusement qu'on est tombé sur un fantôme pas trop, trop chiant. Du coup, pareil, capacité utilisée 0, parce que c'est pas... comme une capacité, on avait perdu, donc on était bien à 0%, puisque 146%, on avait repris que 46% avec le tarot, donc c'était bien ça. Et bah écoute, GG, on va enchaîner, mesdames et messieurs, parce qu'on est des oufs. On va se faire ça sur une petite tangoule, on va rester sur des petites maps, parce que comme tu le comprends, le défi est assez dur. On va remettre le matos, et puis on est parti, mesdames et messieurs. Ghost Name, donc les voyelles dans le nom, plus 0% de santé mentale, on est des oufs, on est parti. Ah, GG, ah, je suis content. Garcimore, comment tu vas? Tu vas bien? Ok, Mamanovitch. Alors. Mais, ouais, je suis pas pour des deals, mais bon. Alors, le nom du fantôme. Vous êtes prêts? Le nom du fantôme, mesdames et messieurs, est... Oh, ça va! Bradley Williams. 1, 2, 3. Le Y est une voyelle. Hashtag Y est une voyelle. 4, 5, 6. 6 voyelles, baby. Let's go. Allez, tirez-moi 6 objets. En attendant, vous tirez les objets. Je vais aller chercher l'objet maudit. Je vous rappelle le défi. Enfin, le défi. Faire des games 0% de santé mentale avec Ghost Voyelle, les deux mélangés. Et on a le droit de reprendre la santé mentale avec les bonbons seulement. Sauf si on débloque les pilules. Ah bah, du coup, on débloque pas les pilules, Manovich. Tu retiens. Tu retires, parce qu'on a les bonbons. Les pilules ne comptent pas, ok. Alors attends, l'objet maudit. La boîte à musique, très bien. Je vais quand même chercher une cachette, parce que sinon je vais mourir. Ici. Oh, je suis serein, hein. Il vient d'ouvrir le placard. Ok. Let's go. Je suis trop con. J'avais oublié, la boîte à musique, faut la garder dans la main pour que ça t'enlève la santé mentale. Je suis trop con. C'est pas le... Bon, c'est pas grave. Je suis trop con. Putain, à chaque fois, je le fais niquer. Ouais, en fait, j'aurais dû commencer de plus loin et attendre avec la truc dans la main. Je suis fatigué, écoutez. C'est pas grave. La prochaine sera la bonne. Non mais après on va dire que je fais de la pub mensongère sur ma vidéo. J'ai pas regardé les objets que vous avez tirés encore. J'essaye de pas trop écouter le fantôme, tu vois, de pas avoir d'indices. La chasse n'est pas finie. C'est bon, la chasse est finie, on sort. Bon écoutez, je dois être à 60% à peu près. Écoute. Mais j'ai pas le droit aux pilules. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet? Thank you, Lily. Call me Cole, comment tu vas? Qu'est-ce que j'ai comme objet, la modération? Capteur de mouvement, ok. Micro parabolique. Les dots, ah ok, ça c'est cool. Le thermo, ça c'est cool. La bougie, oh nice. Donc j'ai le droit, en plus, au briquet, évidemment. Et un glow stick. Eh, c'est pas mal! Eh, c'est pas mal! Merci beaucoup, Swiss, pour ton 22e mois et ton tiers 2. Merci énormément. Merci pour ta lurk. Des bisous, Atomix. Alors, attendez.
Donc là, la bougie, j'ai pas le droit de m'en servir parce que je suis pas encore à 0% de santé mentale. Donc ça éviterait de la descendre, enfin d'empêcher de la descendre. Je pense que je vais commencer bâton, glow stick et thermomètre. Des bisous, Scorpiette. Don't forget the bone. Yeah. The boner. Alors. Ah. Ah, attends. Ouh, j'ai zéro. Attendez, je vais remettre le courant. Le courant n'est pas ici. Faut pas qu'il attaque quand je suis à la cave. J'ai la planque, j'ai la planque, je suis safe. Ok, j'ai la planque. Oh, il a bougé beaucoup de trucs. Il a bougé le seau? Attends, depuis quand on peut prendre le seau? Je savais pas. Ok. Ah, et l'appareil photo, et l'appareil photo. Oui, pardon. Ok. Bon, il a l'air d'être couloir. Hein. Six. Un. Ouais, il est couloir. Ok, il est couloir. On va poser les dots. On va attendre qu'il touche une porte pour le glow stick. J'ai pas trouvé l'os encore. Je vais le chercher. De bonheur. Si, de bonheur. Viens chercher le bonheur. On va mettre dots et capteur. Le glow stick, c'est comme la lampe UV, sauf que ce n'est pas une lampe, c'est un glow stick. Tout simplement. Hop. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ok, il est là. Regardez s'il y a les dots. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Putain, si c'est un gorion, on est dans la merde. Je n'ai jamais douté. Infinity Booba, merci beaucoup pour ton cinquième mois. Ça fait plaisir, ça. Merci encore, Swiss. Pas de glacial. Donnez-nous un signe. Bon, qu'est-ce qu'il branle? Pardon. Excusez mon langage. Il est où l'os? Where's the big bad boner? Bon, j'avoue que la game 0% de santé mentale. Désolé. J'ai essayé, chat. Comment tu vas, Infinity? Il est où l'os? Calme-toi, calme-toi. Oh merde, il est où? Quand tu vas extreme? Il a ouvert une porte? Ok, fuck l'os. On va aller voir la porte qu'il a ouverte. Il est dans le placard? Quelle porte il a ouverte? Là-bas. Quelle porte il a ouverte? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe, il n'y a pas d'empreinte. Fuck. Pas d'empreinte. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Attendez, mais c'est quelle... C'est quelle porte qui touche? Ah, c'est celle-là. Ok. Y a pas d'empreinte. Ok. En tout cas, il touche beaucoup. Il est chaud, hein. Il est chaud, il est chaud. Je vais chercher un appareil photo. Le retour de vacances de ce pays incroyable qui est la Belgique. Ah, nice! On fait Rassan? Ah, bah, je l'ai pas vu encore. Faudra que je regarde. Alors, on n'a pas d'empreinte, pas de glacial. Ok. Pas d'empreinte, pas de glacial. Donc déjà, Jean en tout, démon, mimique, ça dégage. On n'a pas l'air d'avoir de dots pour l'instant, faudra qu'on regarde. On va prendre l'appareil photo, parce que c'est le seul truc auquel on a le droit. Et le micro. Et la bougie, tu sais quoi, on va prendre une bougie. Hop, hop. On va la poser là. Ah, je peux pas? Putain, c'est chiant ça. J'ai, ouais, encore un porte-au-fil, ouais. Encore un porte-au-fil. Hop. Merci Ladiel pour les 146 bits. Comment tu vas, Mimoulax? Pas d'empreinte, pas de dots pour l'instant, vous cachez. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on est bien. On est bien. On n'a pas d'encens, cette game aussi. Donc ça va être un peu compliqué. Allez, Banshee, please.
Donnez-nous un signe. Il vient d'éteindre la boubouge. La Gigi. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Je vais rester dans le noir. De toute façon, je devrais être à 0%. Je crois qu'on va oublier les 0%. Donnez-nous un signe, s'il vous plaît. Donnez-nous un dot. À mon avis, on va pas y arriver celle-là, chat. Hein. On va pas y arriver. Hein. Merci beaucoup, Joker, pour le sub offert, tu régales. Merci beaucoup. La passion pour un gueux. Putain. Petit enculé. Petit enculé. Petit enculé. Petit enculé. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Merci beaucoup Rugalex pour ton prime et ton deuxième mois. Merci énormément. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Et merci Skaders, dixième mois aussi également et prime également. Merci beaucoup. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Il se fiche mon girl. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Il va attaquer, je vais mourir, ça va être drôle. Donnez-nous un signe. Là, chat, je peux rien faire. Hein. Honnêtement, je peux rien faire, chat. Y a pas de dots. Je vois pas ce que je peux faire. Là. Attends, mais tu vas m'attaquer là. Holy shit. Compliqué. Compliqué, compliqué, je réfléchis. Très compliqué là, chat. Pas très pudique quand même ce fantôme avec son petit oiseau à l'air, ouais. Ah chat, je réfléchis. J'essaie de faire de mon mieux. Un chat? Pourquoi un chat? Fil de là, toi. Ok. Ok, ok, ok. 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 Je l'ai en photo ou pas? Ah, je l'ai pas en photo. Je l'ai pas en photo. Ok, ok, ok. Écoutez, on va essayer. Hein. On va essayer. Je vais tout donner, mais ça va être compliqué. On n'a pas de dots. Attendez. Attendez, je vais pas sortir tout de suite. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Ouais, il va falloir faire un test.
sais que j'aime pas les chats, ouais. Comment tu vas, Socar? Tu vas bien? Merci beaucoup, Alison, pour ton deuxième mois. Tu fais grand plaisir. Merci beaucoup. Désolé, je suis en pleine réflexion, là, chat. J'aime bien le nouveau lobby, moi. GG, Joker. Est-ce qu'il a accéléré ou pas? Est-ce qu'il a accéléré ou pas? J'ai pas l'impression. Bon, faut que je refasse le test. Je sais pas s'il a accéléré. Moi je dirais qu'il a accéléré, mais... Ouais, il accélère là, on est d'accord. Là, il a accéléré. Ouais. Il attaque beaucoup parce que je suis très très bas en santé mentale. Très 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 bas. Mets-lui un ban life. Mets-lui un ban life, Mavanovic. Mets-lui un ban life à ce sac. Non, il n'y a pas de nouveau skin de fantôme. Ah, attendez, il accélère, donc c'est pas un taillé. C'est pas les jumeaux. J'ai pas claqué dans le sang, Rikuzen, donc faudrait que je tente. J'ai pas regardé s'il clignote vite ou pas. Alors attendez, y a pas de dots. On a dit quoi? Y a pas de température, donc c'est pas un Yuray. On va partir du principe qu'il y a pas de dots. Attendez, je vais, voilà, je mets du coin. Vous me dites du coin de l'œil s'il y a des dots. Y a pas de température et de dots, et y a pas d'empreinte et de dots. Donc ce serait pas un Goryeo. Donc on serait sur ça pour l'instant. Mais là c'est trop dur, là c'est trop dur à dire. Le spectre, je sais pas. Le Yoka, je pense pas, il aura attaqué plus tôt. Le cauchemar, il a explosé les ampoules une fois. L'Oriot, ça peut... Le baquet, c'est pas possible, il y a forcément les empreintes. Ou alors faut qu'on vérifie les empreintes. Ce qui va être compliqué, je vais pas vous mentir. Pas d'empreinte. Y a pas d'empreinte. Y a pas d'empreinte. L'Oriot. Je vais aller chercher plusieurs bougies. Vous avez vu ce réflexe? Comment tu vas, Kaizen? Tu vas bien? Lucas, t'as la forme? Salut, Sakero. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. À quoi vous pensez, chat? Dites-moi tout. Je vous avoue que le cauchemar, c'est pas déconnant pour moi. Mais l'ombre aussi, c'est pas déconnant. Le truc, c'est qu'il a... Il a jamais bougé de... Il a jamais bougé d'objet. Je sais qu'il est en chasse, hein, calmez-vous. Ah, il a... Attendez, il a l'air d'être passé dans cette pièce. Il a jamais... Waouh! Il a jamais bougé d'objet quand j'étais dans sa salle. On va faire un tas ici, un tas à côté. Alors quand t'es à 0% de santé mentale, le fantôme peut attaquer toutes les 25 secondes. Hein. Et le démon toutes les 20 secondes. Ok. Il vient d'allumer ou d'éteindre là? Attendez, il vient d'allumer. Il vient d'éteindre. Il vient d'éteindre la lampe dans la nursery. Attendez, il vient d'éteindre la lampe, on est d'accord? L'interrupteur était vers le bas quand je suis allé dans la nursery.
Moi, je pense que c'est un cauchemar. Quand tu vas, c'est écoute, tu vas bien. Salut, Furax. Bah, écoute, je me souviens pas avoir allumé la nursery, mais écoute, l'interrupteur était vers le bas, donc il a éteint la lumière. Moi, je partirais sur un cauchemar. La bougie, il pop à côté de la bougie, donc c'est pas un Oreo. Je vous rappelle que l'Oreo, la bougie, a effet de crucifix. Il a cassé les lumières de l'entrée. Je vais très bien, je vais très bien. Je suis en pleine réflexion. Merde, photo. Il est où mon appareil? Putain, il fait chier. Tu fais chier, fantôme. Sache-le. Ah bah attendez, j'ai jeté ma lampe. C'est quoi ce bruit de pas qui vient de me mettre là? On va faire un tas ici, pour la bonne cause. Voilà, on va voir s'il touche un truc. Mais ouais, moi je reste... pour l'instant... Je reste sur le cauchemar. Il vient de balancer plusieurs trucs là, non? Attends. La bougie était allumée quand il a chassé, on est d'accord. C'est pas un Orion. Je crois que la bougie était allumée. Et du coup les dots sont pas bien placés, ouais t'as raison, faut que je replace les dots. Moi je sais pas, pour le cauchemar, c'est vrai qu'il a pété l'ampoule. Ce serait le plus logique, après moi je pense au Gorio. Tu vois pas les dots, ouais. Pas une ombre, des entrées, il a bougé. Il a bougé, non il a jamais bougé un truc à côté de moi, non. That's to test the poltergeist, Lily. Ouais, je venais à peine de l'allumer, donc c'est pas un Oreo. On est sûr, c'est pas un Oreo, il a popé sur la bougie. Le spectre, on peut pas savoir. Enfin, si, on peut savoir, mais c'est compliqué. Ok. Allez, je vais refaire le tas vite fait. Je pense pas que ce soit un polter. Je pense pas que ce soit un polter. J'aimerais bien l'avoir en photo. Ah oui, les dots. Faut que je rebouge les dots. Ah, attendez, je peux essayer de prendre des pilules avec les trucs d'Halloween. La photo du chat. Mais il était en chasse, Norz. L'ombre, elle peut bouger des objets en chasse, comme tous les fantômes. Avec Apport, on avait ramené tous les objets de la map dans la pièce du fantôme, c'était drôle. Ah ouais, des fois c'est drôle, surtout si c'est un poltergeist. Il a pas l'air de changer beaucoup de pièces, je suis d'accord. Des bisous, petite crêpe. Des gros bisous. Merci beaucoup, madame. Ok, il est toujours en chasse. Mais j'ai pas le temps. Toujours en chasse, mais j'ai pas le temps. Eh ouais, c'était en chasse. Il vient de toucher la porte là-bas. Moi j'aimerais bien... Attendez, j'ai un capteur. J'ai un capteur. Je vais le mettre là. Arrête de toucher les portes. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signne. Allez, bougez un truc à côté de moi là. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Il est pas dans sa salle, hein. Donnez-nous un signe. Bah en vrai, manger les bons becs, je vois pas trop à quoi ça pourrait nous servir. Moi je veux juste qu'il soit dans sa salle, quoi. Pour voir les dots. On va voir s'il réteint des lumières. Exactly, Lily.
Non, ça peut pas être les jumeaux au niveau de la vitesse, ça colle pas les jumeaux. Il est pas dans sa salle, hein. Il a pas popé dans la nursery. Il a pas popé dans la nursery. Eh, le sel, j'ai pas de sel, Sophie. J'ai le droit qu'à 5 objets, je crois. Je pense que... Honnêtement, j'ai vraiment un doute entre le cauchemar et l'ombre, là. Oui, 6, mais... je me tâte de ouf. Alors. Photo. Putain, il me rend fou. Fantôme de merde. Il a l'air d'être là maintenant. À mon avis, c'est... Je sais pas, franchement, je me tâte. Qu'est-ce qu'on fait, chat? On part en pif. Il est où? C'est quelle porte qui touche là? Si, si, le poltergeist, je le vire, pardon. Il a popé dans la chambre, hein. Il a popé dans la chambre, hein. I think it's a shadow. I'm not sure. Nightmare or shadow? I mean, cauchemar or shadow? Tough. C'est difficile celle-là. Elle est vraiment difficile celle-là. Il bouge beaucoup de trucs, hein. Il est en chasse. Ok, il est plus en chasse. Il a popé dans la chambre, je crois. Mère, pardon, mère, j'avais oublié. Putain, mais j'arriverai jamais à prendre cette photo de merde! Pardon. Ah, y'a pas les dots. Y'a pas les dots, je vois pas les dots. Il est là, il est dans le couloir et je vois pas les dots. Et puis de toute façon, même s'il nous met les dots, pas sûr que ça nous aide, quoi. Il chasse. Ouais, je pense que... Ou alors c'est un goriot, ouais. Écoutez, je pense qu'il va falloir prendre une décision, mais là... Là, il faut suivre son feeling, je pense. On a aucun objet, on a aucun moyen de tester l'esprit, aucun moyen de tester l'ombre, le cauchemar. Il a fait pas mal d'événements paranormaux, mais il a fait deux fois la buée d'affilée quand même. Il se montre pas mal. Donc j'ai envie d'enlever l'ombre. Je peux faire vite fait un test du spectre, mais très vite fait. Et 5% c'est cadeau. Ah merde, faut que j'aille remettre le courant. Ok. Ombre. Ah, ombre, il fait trop de trucs pour une ombre. Enfin, j'ai envie de dire qu'il fait trop de trucs. Après on a eu des ombres vénères, mais le truc c'est qu'il se montre il s'est montré en full forme plusieurs fois. Non mais il se fout de ma gueule.
Bon, tu vas, Alexo. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire de la merde. Ah non mais la photo, j'ai arrêté la photo. Bon, est-ce que je... Oh il est dans la salle, il est dans la salle. Attendez, je regarde les dots. Je regarde les dots. Il est dans la salle. Je vois pas de dots. Ah, je vois pas de dots. Ok, pour moi, il y a pas de dots. Pour moi, il y a pas de dots. Le problème, c'est que si c'est un gorion, on peut rien faire. Bon, moi, je pense que c'est la dernière chasse que je fais et je me casse. No, I didn't get the bone, I didn't find it. Sorry. I looked for it though. En fait, le spectre, il se TP sur toi. Mais à aucun moment, le fantôme s'est téléporté sur moi, tu vois. Et a fait des interactions ou quoi que ce soit. Donnez-nous un signe. Bah, honnêtement, moi, il n'y a rien qui me fait dire que c'est une ombre pour l'instant. Tu sais, j'ai un public anglophone un petit peu. C'est pas une ombre. Honnêtement, j'ai envie de dire cauchemar. Et je vais réussir à pas me faire bouffer. Hein. Allez, on s'en va, chat. Franchement, on... Gorio, cauchemar, esprit. Ça peut être les trois. Hein. L'esprit, il est chaud aussi. Hein. On a vu la game d'avant. L'esprit était méga chaud sur les événements paranormaux. Là, il est méga chaud sur les événements paranormaux aussi. Malheureusement, j'ai pas d'encens pour tester. Je peux pas faire grand chose, tu vois. J'ai un problème avec les placards. T'as vu ? Moi aussi, je trouve que je suis pas bon avec les placards ce soir. J'ai du mal. Non, j'ai pas la haute prêtresse. Par contre, il aime bien envoyer les tableaux devant. Bon, écoute, YouTube, je pense que ça va être un fail. Donc, on aura réussi deux games. On va voir. Laissez-moi réfléchir. Le spectre, je pense pas. L'ombre, il a fait trop d'événements pour que ça soit une ombre. Trop d'événements. Il a claqué, il a éteint la lampe et il a claqué les ampoules. Donc j'ai envie de dire cauchemar. Non mais les événements paranormaux, c'est normal qu'ils se TP, John. Tous les fantômes se TP sur toi pour un événement paranormal. Le spectre se TP sur toi mais sans faire d'événements. Il se TP et après il fait des interactions, il touche des trucs. Après je suis pas resté énormément de temps dans le garage mais j'avais pas l'impression qu'il se téléportait sur moi. Quand tu vas Titi, tu vois. L'esprit c'est pas déconnant non plus parce que la game d'avant on a eu un esprit qui était méga chaud qui nous a énormément d'événements paranormaux qui touchait beaucoup de portes et tout donc c'est pas déconnant et il avait éclaté les lumières aussi. J'hésite vraiment entre les deux là. Vous pensez que c'est quoi, chat? Ça peut être un autre hein, mais vous pensez que c'est quoi? Y a pas de soucis, Tutis. Je vais très bien. On est sur la dernière game là. Non mais on est en cauchemar de toute façon. Alors attendez, j'ai enlevé les autres parce que pour moi on n'a pas d'autres. Ah oui, c'est vrai que ça peut être le Gorio aussi.
J'avais oublié ce détail. On n'a aucune preuve, quoi. J'avoue, hein. J'avoue que ça peut être le Goriot. Moi, je dis cauchemar. Mais les... honnêtement, un des trois. Un des trois, ça me surprendrait pas. Par contre, si c'est un autre, ça me surprendrait. Si c'est le Polter, tu vois, je serais le premier surpris. Je pense qu'on va faire ça. Je pense que je vais miser sur ça. Tomorrow, I'm on. Yeah, I'm on. And actually, you can enjoy more tomorrow because I'm streaming something in English. Le pouvoir du Goriot, c'est qu'en fait, il a moitié moins de chances que les autres fantômes de sortir de sa salle. Enfin, de partir loin, quoi. J'avoue que le Goriot, c'est pas déconnant. Ah, je me tâte. Oh, putain, vous me faites douter maintenant. Goriot au cauchemar. En vrai, ça sert à rien parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir. L'esprit, j'ai pas d'ensemble. Cauchemar, j'ai fait le test du truc, mais il me l'a pas fait. Comment tu vas, Kujotaro, tu vas bien? Ah, c'est normal, Kujotaro. T'arrives sur une game un peu plus compliquée que les autres. Mais n'hésite pas à poser des questions. J'hésite entre Goriot et Cauchemar. Mamanovic, qu'est-ce que tu dis? Mamanovic, c'est quoi pour toi? Je peux analyser ses déplacements, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. On peut continuer la game. Et prendre de la santé mentale avec les... c'est pas faux. Et prendre de la santé mentale avec les... les petites citrouilles. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça peut nous sauver la vie. Ça peut nous sauver la vie. Elles sont où, mes petites citrouilles? Ah bon? Je crois qu'il y en avait plus que ça. Le but, c'est de réussir la game, sauf qu'en fait, on a presque pas d'objets. Il y en a ici. Ah mais attendez, je suis à zéro. On peut faire le test de l'ombre. J'en ai mangé combien, là, chat? J'en ai mangé combien? 1, 2... J'en ai mangé 4. Donc je suis à 20. Je suis à 20. Donc faut que j'en mange encore 3. Allez, 4. Encore 4. Encore 4. Et je serai au-dessus de 35. Putain, j'ai failli faire de la merde. Ouais, cauchemar Goriot pour moi. Surprise de te voir, j'ai un abonnement offert. Bah, ça fait plaisir, Bloom. Installe-toi. Salut, Alenia, je t'avais pas dit bonjour. Ouais, il a explosé une ampoule, mais tous les fantômes peuvent le faire, tu vois. Il faut que je trouve le reste. Il y en avait pas ici? Bonbons? Ils sont où les bonbons, chat? Ça me trigger tellement. Ils sont où les bonbons? Ça fait un moment que je suis sur la game. Placard de droite, ok. Côté frigo. En vrai, sort, ouais. En vrai, je place juste des... Ouais, non, en vrai, la game va durer trop longtemps. On va se barrer. Bon, tu vas Tolgor, tu vas bien? Allez, on se casse. On tente le pif gagnant, chat. C'est trop long, on se casse. YouTube, désolé. On se casse. Il faut... Voilà. Je vais très bien. Allez, on se casse. C'est fini. Des bisous. Special shout out to Tulis. Yeah, Tulis the best. That's why he's my mod. Moi, honnêtement, il y a tout qui... Ah,
Là, c'est... Je regarde pas. Je regarde pas, je regarde que la réaction du chat. Alors, chat? Ah! Je vous avais dit, putain, il est chaud, il est chaud, il est chaud! Ah, c'était trop dur. Bah là, c'était impossible, c'était trop dur. Là, on pouvait pas. Bien joué à ceux qui ont piffé l'esprit. Bon, le point positif, c'est que on avait dit c'était soit l'esprit, soit cauchemar, soit Goriot. Au final, on avait raison. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'esprit 100%. Mais du coup, deux esprits d'affilée. Et du coup, il était vénère. Donc, est-ce que l'esprit aurait tendance à être vénère? Je ne sais pas. C'est peut-être une coïncidence. En tout cas, YouTube, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Voilà, c'était censé être un 0% de santé mentale avec des bonbons. Ça s'est transformé en ghost. Le truc des chiffres et des lettres, ghost voyelles. Et puis au final, ça a eu aucun sens. Mais en tout cas, voilà, c'était une session intéressante. C'était assez dur quand même. C'était assez dur. Bref, n'hésite pas à partager, commenter, liker. N'hésite pas à claquer tes jeux sur GamePlanet. Plein de promos en permanence. Ça soutient la chaîne. À claquer ta Oli, évidemment, boisson énergisante et iced tea vegan. On va dire ça comme ça. Et puis à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Venir nous voir sur Twitch. T'as tous les liens en description. Des bisous, YouTube. Des bisous. L'esprit.